Bonjour, je m'appelle Florian Laroumagne, je suis un des cofondateurs de Prévision.io. Donc Prévision.io, c'est une start-up très récente qui a été fondée en septembre 2016, qui est spécialisée dans l'intelligence artificielle. Plus précisément, on édite une plateforme automatisée de machine learning qui a pour objectif de traiter tous les cas d'usage prédictifs pour les entreprises. Par exemple, vous voulez savoir si un client va partir à la concurrence, nous pouvons le faire. Vous voulez savoir si une machine va tomber en panne, par exemple un train, on peut le faire. Le cloud est indispensable à l'innovation chez Prévision.io. En effet, le machine learning requiert d'énormes puissances de calcul. Malheureusement, on n'est pas en mesure d'acheter nos serveurs, donc on a besoin du cloud pour réaliser tous nos développements, tous nos calculs et nos optimisations mathématiques. Prévision.io, c'est une start-up française et on défend, dans le monde de la data qui est phagocyté vraiment par toutes les entreprises américaines que sont les GAFA, la souveraineté. On a été sélectionné par France IA et pour nous, c'est très important de pouvoir travailler avec un acteur français qui est OVH. Pour nous, rejoindre le programme Digital Launchpad est une réelle chance. En effet, on n'a pas forcément les moyens en tant que jeune start-up. Encore une fois, d'avoir nos propres infrastructures. Du coup, les crédits offerts par le Digital Launchpad nous ont permis de réaliser nos premiers développements, d'avoir des machines à disposition, de mettre en place nos infrastructures, de tester des clusters et surtout de tester les GPU qui sont sortis il n'y a pas très longtemps chez OVH. Et vous le savez sûrement, mais les réseaux de neurones sont très consommateurs de cartes graphiques et du coup, on a besoin, nous, de faire ces tests en amont, avant de pouvoir mettre en prod dans notre application. On va remporter les awards parce qu'on a été créé il y a moins d'un an. On est une entreprise très jeune, on a une bonne visibilité, on est en train d'accélérer, on a intégré Station F, on a été retenu par les Échos comme les 5 startups les plus innovantes du salon Vivatech, on a été accéléré par Voyage SNCF et ça serait pour nous l'opportunité d'être reconnu une nouvelle fois grâce au VH.